On va passer au deuxième buzz du jour. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Donc, l'ancien député, puisqu'il a été dissous comme tous les autres, enfin dissous, l'Assemblée a été dissous. Ah, c'est des effets ralgants, tout ça. tous étaient dissous. Qui avait donc brandi un drapeau de la Palestine dans l'hémicycle et qui avait été exclu pour 15 jours. Et son exclusion, bah, elle s'est arrêtée même avant la fin, puisque l'Assemblée donc, a été dissoute par le président de la République. Il a été filmé et la vidéo a été publiée par le média Frontières. Oui, c'est le champion. Voilà, ancien média Livre Noir. Il échange avec des jeunes des quartiers et il leur dit donc la phrase suivante. « Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie. » Alors évidemment, il va plaider le second degré, mais c'est tellement logique avec l'esprit de la France insoumise qui cherche le chaos, le second tour avec Marine Le Pen pour que ça soit ensuite le chaos et l'insurrection. On va voir l'extrait, vous allez dire ce que vous en pensez. Doit-il être sanctionné? Bien sûr que oui. C'est bien sûr. Bah, c'est même pas, vous allez voir l'extrait encore chez vous. Et vous allez voir, de toute façon, il va y avoir que des oui à part Gilles Verdez, comme d'habitude. Voilà. Sérieux? Les mecs, on a compris. Regardez l'extrait d'abord parce que vous ne pouvez pas... Vous prononcez pour l'instant. C'est puni par la loi, l'appel à la rébellion. Oui. Vous avez vu l'extrait? Oui, j'ai vu. Quand, qui, où? Bah, tout à l'heure, il y a 5 minutes. Ah, il y a 5 minutes. 5 minutes. Là, vous étiez en plateau pendant les pubs. Allez, c'est parti, regardez. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Violence. À mon avis, il y a des neurones qui ont sauté, ça c'est sûr. L'appel aux émeutes, l'appel aux émeutes. Non, mais vous avez refusé d'appeler au calme il y a un an. C'est catastrophique. Le chaos. Non, mais évidemment, il doit être sanctionné. Et moi, il y a une question que je me pose. Comment on peut voter pour des gens comme ça? Il y a une question que je me pose. Vous vous rendez compte, le chaos? Non, mais franchement. Mais au-delà de ça, il y a une question. Comment on peut s'allier à des gens comme ça? Exactement. Comment on peut s'allier à des gens comme ça? Olivier Faure qui. J'ai honte pour le parti. Moi aussi, j'ai honte pour les écolos. Bien sûr. C'est indigne. Mais c'est honteux. Tout ça pour avoir des sièges et pour avoir le pouvoir. Non, mais c'est honteux. Comment tu peux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Question sur la LFI. Quelqu'un qui démarre, lui, on dirait un scooter des mers. Celle qui lève le doigt. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, je suis la seule à lever le doigt en plus. Mais non, on a un truc sur LFI et sur tous ces grossiers personnages, entre les appels à la haine, l'antisémitisme, les appels au chaos, à la violence. Quelle est la différence entre LFI et les groupuscules extrêmes comme Génération Identitaire qu'on a vu, qui ont été dissous et à juste titre? Est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose avec LFI? Ce ne sont que des appels à la violence. Il faut se poser la question. Je suis un peu d'accord. Charles Olive, le député Renaissance, avait dit dans une matinale, il faut dissoudre la France Insoumise. Voilà. Ça avait fait mais ça devient très grave. La différence avec Génération Identitaire. Ça devient très très grave la France Insoumise et ça encore. Mais ça, vous vous rendez compte de ça? Et attendez, j'ai un autre extrait après. Sous le coup de la loi, ça quand même. Parce que ça peut être de la provocation directe à la rébellion, c'est 2 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, c'est un délit. Jean-Mi. Oui, non, mais c'est un délit. Et si un jour il y a des morts parce que les gens descendent dans la rue suite à l'élection législative et que ça dérape, que les lieux s'enflamment, etc. Et c'est comme, on voit en ce moment tous les soirs des manifestants contre le RN. Mais les mecs, c'est quoi ça? Ils croient. Et les mecs pensent en fait qui vont faire peur aux gens et que les gens vont pas vont se dire ah bah non on va voter la France insoumise parce qu'on a peur. Ça fait encore plus. Mais bien sûr. Mais ils pensent quoi? Les Français ils ont, et je vous le dis hein, les Français ils sont pas bêtes, sachez-le. C'est ça le problème de certains politiques, ils nous prennent pour des idiots. Non mais ça, ils nous prennent pour des jambons. Non mais hier il y a eu une banderole pour des khalouf. Même tout le cirque, les gens le voient là, tout le cirque. Hein. Bah, bien tout sûr. Le cirque ils sont en train de faire, les gens ils le voient bien, toutes les magouilles, toutes les alliances, les gens ils sont en train de le voir, ils sont en train de les ils nous prennent pour des cons, Joseph. Hier il y a eu une banderole Jordan t'es mort. Jordan t'es mort en réaction, enfin en référence à Cédric Doumbé, le boxeur qui avait fait pareil avec un matelas face à son concurrent. Jordan t'es mort, c'était pour Jordan Bardella. Donc c'est quelque part un appel au meurtre dans les manifestations d'hier anti-RN. On peut critiquer l'alliance de droite. Je suis désolé, il n'y a pas d'équivalence entre l'alliance de droite et l'alliance de gauche. Quand on regarde toutes les déclarations de la France insoumise, non seulement depuis le 7 octobre, mais aussi depuis 2 ans. Il y a eu l'épisode des émeutes avant où ils ont refusé d'appeler au calme. Et il y a un journaliste franco-israélien, Julien Baloul, qui a dénoncé le fait que Sébastien Delogu aurait chez lui une carte qui effacerait l'État d'Israël, encore une fois. J'ai dû regarder juste cette photo hein, qu'on a, voilà. De toute façon, ils les enchaînent. Hein. Ils les enchaînent et ils sont tout sauf pour la paix, pour moi. Ils sont, je vous jure, ils sont dangereux. De ils sont de la dangereux. Société, ils sont exactement. De la société. Ce sont les responsables. C'est un exemple pour la jeunesse qui est absolument. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte si le 7 juillet, la LFI. Est majoritaire. Non, majoritaire. Non, mais c'est, ouais, alors, le Front Populaire. C'est catastrophique. Voilà. Non, mais franchement, comment on fait? Comment on fait avec des fous pareils? Comment on fait avec des fous pareils? Non, mais c'est. Grande question. C'est quoi? C'est la guerre. C'est une guerre. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Dans les sondages, ce n'est pas le plus probable, mais c'est assez proche du Rassemblement national. Ouais, on disait l'autre jour, peut-être que Louis Boyard va être battu, etc., ou d'autres.
peut-être, et c'est le plus vraisemblable, ils vont être réélus. Et en plus, il fait le malin, il veut parler comme les jeunes de quartier. Pff, alors, quand il est à l'Assemblée, il veut parler comme un homme politique quand il est avec les jeunes de quartier. C'est ça, pathétique. Il nous prend pour des jambons, il nous prend pour des raloufs. Bah, Gauthier, toi qui es un fin expert de la vie politique, est-ce que tu penses vraiment que des gens, et je connais beaucoup de gens qui ont voté socialiste, pour, voilà, pourquoi pas Glucksmann. Tu penses que vraiment, ils vont pouvoir aller voter pour le Front Populaire? Non. Une partie, impossible. Si. Une partie, mais une part. Je pense que la crainte du Rassemblement National, leur crainte du Rassemblement National va être supérieure à leur détestation de Jean-Luc Mélenchon pour ses électeurs de gauche. Et ils vont voter en se bouchant le nez. Comment ils peuvent ne pas craindre la LFI? Ils vont aller voter Macron. Qui est quand même le parti qui fout le chaos en France depuis des semaines et des mois. Je suis bien d'accord, Cyril. Je te dis qu'à mon avis, dans leur esprit, le RN est le principal danger. Non, mais c'est ça. Et donc, face au principal danger qu'est le Rassemblement National, on vote l'Alliance de gauche et tant pis pour la France Insoumise. Vous avez plus peur de la LFI ou du RN? Mais moi, je vous le dis très clairement, depuis 2 ans, qui met le chaos à l'Assemblée nationale et en dehors, qui refuse d'appeler au calme, qui flirte avec l'antisémitisme, je dis flirte pour ne pas être attaqué en diffamation, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste, enfin, la liste est très très longue. Le Rassemblement national est dans une stratégie de normalisation, ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate, et la LFI est dans la stratégie du chaos. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux, la normalisation ou le chaos? Vous avez répondu à la question. Oui, Jean-Michel. Non, mais ils appellent à tuer des policiers, carrément. Les filles, à un moment, ils ont appelé carrément à violenter les policiers. Leurs militants ont visé des policiers avec des projectiles. Ce sont des fous. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. C'est fou ce qu'ils peuvent dire. C'est fou. C'est fou. Ils sont la honte. Ils sont la honte de la République, mais c'est évident. C'est le chaos à l'Assemblée, c'est le chaos dans la rue, c'est le chaos partout. Ces gens-là sont extrêmement dangereux, en fait. Et quand je vois que certaines personnes ont envie de voter pour eux, ça m'inquiète. Ah, mais c'est beaucoup ça. Plus que leur... Très grave, moi aussi, c'est vrai. Très grave. Ça m'inquiète. Après, voilà. Ouais. Après les... pas on ne va pas dire aux gens pour qui voter. Ah, non, mais sur les réseaux aussi, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas leur donner de leçons. Mais moi, je donne mon avis. Moi, ils me font peur. Je suis désolé. Sur les réseaux, on passe la journée sur les réseaux. Vous voyez que les gens réagissent très, très vivement dans le petit microcosme. Au score de Jordan Bardella, et il y a une bienveillance pour ce Front Populaire où Léon Blum doit se retourner quand même dans sa tombe. Il a été déporté et maintenant le Front Populaire, c'est une alliance avec un parti accusé d'antisémitisme qui dit Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, qui dit que la marche contre l'antisémitisme, c'est une marche d'extrême droite qui soutient les massacres à Gaza. C'est ça le Front Populaire. Le Front Populaire, et on va avoir la répartition des sièges, c'est une majorité de candidatures de la France Insoumise, le Front Populaire. Il y aura moins de candidats PS alors que Raphaël Glucksmann a fait le meilleur score à gauche aux européennes. Ouais. Les principaux candidats en nombre de circonscriptions, c'est la France Insoumise. C'est la France Insoumise. Non, mais c'est fait vraiment. Oui, bien sûr que c'est fait. Ah oui, c'est en négociation à l'heure où on se parle. Sûr, mais ça va être signé. Olivier Faure, FAURE. Et tous ceux qui à gauche, dans cette alliance de la carpe et du lapin, à gauche, essayent de faire peur aux Français en parlant de l'extrême droite française, il faut quand même qu'ils se souviennent qu'il y a des leçons d'histoire quand même, et que l'extrême gauche, les partis d'extrême gauche dans le monde, ont fait beaucoup plus de morts que les partis d'extrême droite. C'est-à-dire que les plus grandes tueries dans le monde ont été dues à des partis qui se sont revendiqués révolutionnaires et d'extrême gauche. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens de gauche aujourd'hui qui se sentent orphelins et qui sont perdus. Il faut quand même le dire. Ils se sentent pas perdus, ils ont voté Glucksmann et ils se retrouvent avec le Front Populaire. Parce qu'ils ont voté Glucksmann parce qu'ils ne voulaient pas voter LFI et en réponse, et qui aujourd'hui se sont bien embêtés.